deuxième épisode sur les grands prix cyclistes de Québec et Montréal. C'est le premier jour complet à Québec City, il va être bien chargé. On va prendre le petit-déj avec tous les pros du peloton World Tour, on va découvrir le paddock le plus original que j'ai pu voir dans ma vie, puis la masterclass de la vidéo, on va embarquer avec Marion Rousse et Julien Alaphilippe sur l'île d'Orléans pour suivre l'entraînement de la Soudal Quick-Step et tenter de croiser d'autres équipes et stars sur les routes. Enfin, on va assister à des conférences de presse durant lesquelles on va même avoir l'occasion de poser des questions à Benoît Cosnefroy, Julien Alaphilippe ou Michael Woods. Alors, t'es prêt pour cette dinguerie ? Perfect. POV, le mec sort du lit, il est déjà habillé. Là aujourd'hui du coup on a plein de choses à vous montrer, on va aller dans les entraînements, on va aller voir les mécanos. Là on va descendre prendre le petit déjeuner, boire un café et on se parle après parce que moi je me suis levé à 4h du matin, Capucine aussi elle s'est réveillée dans la nuit avec le jet lag. Enfin bref, allez on y va. Dans l'hôtel là, on s'est régalé au petit déj, vous avez pu le voir. Et là, bah, regardez, il y a des mécanos, du coup ils sont directement dans l'hôtel au sous-sol. Et le but, bah, c'est d'essayer d'aller les voir, on va aller leur poser des questions. Parce qu'à 9h30, les coureurs partent à l'entraînement et on va pouvoir monter dans la voiture, donc c'est exceptionnel. Attends, c'était pas par là, niveau C. C'est en dessous ? Je sais pas. C'est ça ? Niveau C. On est arrivé là au sous-sol, à un endroit assez glauque. Les lumières jaunes, on se regarde dans un film d'horreur, tu sais. Tu vois, pour ambiance ? Là, il y a des vélos, les sacs des vélos. Alors, j'ai croisé le directeur sportif d'AG Désert qui m'a expliqué que les vélos étaient arrivés cette nuit. Et là, on va arriver vers les mécanos, il y a la musique à fond. Et tout le monde est au même endroit, des gros ventilos et tout ça. On va aller faire un peu d'image. Alors, ici, en fait, on est dans l'air où tout se passe, où tout le matériel a été acheminé depuis l'Europe. Ouais, c'est un bordel sans nom. Alors, contrairement à ce qui se passe en Europe où les équipes ont l'habitude d'avoir leur camion. Ici, en fait, on doit leur mettre à disposition des emplacements. Donc, tout le matériel a été acheminé par avion, par cargo. Donc, ça a arrivé cette nuit. On leur a disposé des box dans lesquelles voilà, chaque équipe se retrouve. Donc, là, c'est les looks, c'est la Cofidis, j'imagine. Parce que là, on a l'Intermarché. Avec leur vélo et le montage. Donc, là, les mécanos remontent tout ça, puisque les vélos étaient dans des housses. Et en fait, on va refaire le cheminement de Québec à Montréal dans un camion. Et dimanche soir, quand les Grands Prix sont terminés, ça va repartir en avion vers l'Europe, là où les principales équipes sont situées. Il y a Julien Alaphilippe qui essaie de trouver le dans le garage. Il y a l'organisation. Salut. Vous vous moquez de moi parce que je parle à une caméra. On se demande si t'as le droit. Oui, bah oui, j'ai le droit. Ouais. Donc on a récupéré la crème, mais c'est pas encore ouvert. Ce paddock, je l'ai surnommé la Batcave. Ouais, comme dans Batman. En même temps, ça fait trop cave de super-héros avec que du matériel de fou furieux et les équipes qui travaillent pour remonter les vélos. Avec le bruit assourdissant et la résonance du lieu, ça fait un peu penser à la mine. Mais perso, j'y sens juste une vraie good vibes. Toutes les équipes travaillent main dans la main comme une seule personne. Genre, c'est beau de voir tout le staff focus et au charbon. Tu vas me prendre pour un fou, mais je compare ça à un grand opéra sans chef d'orchestre. Les câbles qui tapent contre le carbone remplacent les batteries, la mélodie du piano c'est le roue libre, les discussions qui s'entremêlent forment un cœur. C'est le bruit de mes boules contre tes fesses. Oh. Ouais, non, c'est incroyable. Moi, en tout cas, c'est la première fois. Alors, on m'a dit que c'était aussi comme ça sur les courses en Australie. C'était aussi un peu pareil. Que c'était dans des ambiances un peu dans des garages. En fait, on délocalise, le vélo, c'est vachement européanisé. Et du coup, on fait venir tout un continent comme ça à l'autre bout de la planète. Du coup, bah, obligé de déplacer les équipes. Les vélos sont arrivés cette nuit. Je vous mets rapidement la petite interview que j'ai eue avec le mécano de AG2R qui nous a expliqué un peu tout ce qui allait se passer. C'est vraiment particulier. C'est quelque chose qui est vraiment rodé et professionnel. C'est vraiment toutes les équipes ensemble. Donc voilà, il y a système d'entraide et quel côté sympa des voyages un petit peu exotiques comme ça. Et là, faut tout préparer. Nous, on a découvert les vélos ce matin, donc on contrôle que les cadres soient pas cassés, qu'il n'y ait pas de problème mécanique ou des roues cassées. Et voilà, là, ils vont partir dans la demi-heure. Donc c'est un petit peu le coup de bourre pour nous, les mécanos. Mais après, voilà, ça roule, ça va se mettre en place. Thank you.
Après la visite du paddock, j'ai enchaîné direct. Il a fallu que je saute dans une voiture avec Marion Rousse, Thibaut qui gère les réseaux sociaux pour l'orga et deux photographes. L'objectif, réussir à croiser des équipes qui roulent sur l'île d'Orléans pour faire des images. Et heureusement que Marion était avec nous, car elle a demandé à Julien d'activer sa localisation et grâce à ça, on a pu les tracer et les retrouver sur l'île. C'était collé là. Non. Ça annonce pas bon pour dimanche. T'imagines? Je préfère qu'ils fassent ça plutôt qu'ils soient à car. Ils avaient des voitures derrière. Hein. Ouais, mais c'était des voitures de. Ah, ouais, mais oui, mais j'attendais de voir des voitures, mais ils ont pas les voitures de l'équipe. Bah non. Bah non. Je demande à Julien d'être se mettre devant. Derrière la voiture, et puis avec un peu de chance, on chope un autre équipe. Parce qu'il y a d'autres équipes qui passent par là. Ok. Nickel. Allez, c'est parti. Ils ont pas fait demi-tour, eux? Bonjour. Bonjour. Ça va bien? Bienvenue direct. Merci. Un nouveau. Oh la resta. On suivait la soudale et là ils sont arrêtés pour un petit ravitaillement, petite pause pipi. Oh, bah, c'est très tranquille aujourd'hui, ils roulent pas très fort. Mais on va les suivre, on va pouvoir faire des belles photos, c'est ça qui compte au final. Ah, bah, oui. C'est d'avoir des belles images. Ah bah oui. Soudal Quickstep qui se sont arrêtés pour leur ravito, comme je vous expliquais. Et vraiment, ils sont pas pressés parce que là, ça fait bien 5-10 minutes qu'on est parti, tout le monde discute, ça rigole. Et ça va bientôt repartir. Il y a Marion du coup qui est avec Julien. Et ce qui est marrant aussi, c'est que les voitures qui sont sur place, c'est les voitures pas du coup des équipes, vu qu'ils ont pas pu venir jusqu'en Amérique du Nord ici. Du coup, c'est des voitures que l'organisation a prêtées aux équipes. Donc je sais pas comment ça va se passer. On verra les autres équipes, mais peut-être qu'ils auront tous les mêmes voitures juste avec un bandeau différent. Woman. Allez. Ouais, là faut les rattraper du coup. Objectif, le meilleur point de vue pour les photographes. Ah, ça se met à l'aise, puis lui et tout, ça prend l'air. Ah, ça s'appelle le métier. Ah, ça c'est le métier, ça. On voit l'expérience là. Ah, ouais. Moi j'ai pas osé me mettre pieds nus. Ok, tu peux rapprocher un peu. Non, mais là ils sont tous en train de s'attaquer pour être devant, pour avoir leur photo en fait. C'est quand même drôle quoi. Ils se mettent des grosses mines alors qu'ils ont une course dans deux jours juste pour une photo quoi. Allez, plus vite, allez. Je suis sûr qu'on l'a posté Snapchat. Ah, ils vivent pour les caméras. Hein. Dans la voiture, on a un peu suivi la Soudal Quickstep et c'est marrant parce que du coup, il y avait les photographes à l'arrière du coffre, ils prenaient des photos et tous les coureurs du groupe voulaient leurs photos et du coup, ils se mettaient des énormes cacahuètes juste pour être devant et avoir la plus belle photo quoi. Et le gagnant, c'est Fausto Masnada qui a un peu ratonné avec Julien et qui l'a contré juste avant la descente. Thank you.
Il y a l'Intermarché qui vient de s'arrêter devant nous, boire un petit coup aussi, avec Binyam Guirmet. Alors c'est marrant, hein, c'est, on est vraiment hyper proches. Et là, les photographes vont prendre quelques photos. Une dédicace à KBLB. Toutes les images sur les réseaux sociaux, c'est eux, de tout l'événement. Wow! Maintenant, conférence de presse, Capucine. Oui. Conférence de presse, il faut qu'on trouve la salle. Ça doit être au Palais des Congrès. Ouais, j'espère que c'est vraiment là. Conférence. Si c'est pas là, on est un peu dans le. Ouais, il y a des accrèdes partout. Ouais, c'est là. Ouais, il y a des tickets qui ressemblent à des accrèdes. Bon, vas-y. Et toi, t'as pas ton accrède? Ok, en tout cas, c'est stylé de ouf. Hein. Devinez qui s'est trompé d'endroit. C'est nous! T'imagines, on va arriver en retard à notre première conférence de presse? Ça la fout mal. En plus, avec tous les politiques et tout. Mais là, bon, en plus, on va monter. En gros, notre hôtel, c'est le bâtiment là-bas derrière. Et on a une salle de presse en bas. Du coup, on a la salle de presse en bas, sans trop réfléchir. Alors, ce programme, c'était marqué bien l'hôtel des Lauriers, qui est là-bas. Est-ce que vous l'auriez trouvé, celle-là? Laurier. Pour moi, ça va affûter les gros mollets, là. Ouh, les gros mollets! On se retrouve du coup devant la salle, l'entrée de la conférence de presse. Donc la conférence de presse à Québec avec le maire de Québec, avec la responsable de la chaîne de télévision qui va retransmettre la course au Canada. D'ailleurs, on a appris aujourd'hui que ça allait être Marion Rousse qui allait commenter la course sur la chaîne. Alors, que moi j'écoute le Tour de France à la TV française avec mon VPN. Alors j'ai un peu l'impression de la connaître. Elle ne me connaît pas du tout, mais moi j'ai un peu l'impression de la connaître. Alors grand merci ce travail vers l'égalité, vers la parité. Et on était avec elle ce matin, c'était incroyable. Donc là, il y a le panneau juste ici, salle de presse, on y va et on vous fait vivre ça à l'intérieur. C'est impossible de faire rêver des moins jeunes comme moi qui pensent encore qu'un jour ils vont faire le Tour de France. Ne me le dites pas, je sais, c'est impossible, mais j'y crois encore. Ça étant dit, on va devenir, Québec va devenir la Belgique du vélo. On le souhaite. Au niveau et qui participe comme nos Québécois sur le circuit Tour de France et autres. Quand les grands prix viennent chez eux. Les amis, regardez, je suis sur l'île d'Orléans et on est juste allé sur cette île au bord de la route pour passer les courants. Les amis, la conférence de presse est finie. La conf elle est finie. C'était trop bien. Ouais, en vrai c'était. Alors tu sais, ça sera plus sympa là à 15h parce qu'il y aura les coureurs, il y aura les têtes d'affiche, il y a Alaphilippe, il y aura Mathieu je crois, il y aura Cosnefroy. Enfin bref, ça va être vraiment intéressant, on aura accès aux coureurs. Mais là, c'était politique, mais c'était sympa tu vois. Genre on a appris que bah, Québec il voulait devenir une grosse ville de vélo et qu'il voulait devenir. Voilà, ils ont dit quoi? La Belgique du continent, genre américain. Québec va devenir la Belgique du vélo. Oui, voilà. C'était bonne ambiance. Et là maintenant il commence à se faire faim parce qu'il est bientôt 14h, on a toujours pas déjeuné. Nothing. Et en vrai quand tu vois les buffets, ça c'est pas des buffets de cyclistes, hein, ça je vous le dis. Ah ouais, loin derrière moi ma carrière. Hein. La carrière en deuxième KTFFC. Je pense qu'on va se faire un des petits plans fast déjeuner, ça vous tente. Et après on va à la conf de presse avec les autres coureurs. Conférence de presse. Dans ma vie, c'est d'être en retard en ce moment. Je me suis endormi. Ah non, c'est bon. À tous les médias qui est là, première conférence de presse avec tous les plus grands coureurs, les têtes d'affiche. Il y a tout qui est en train de se mettre en place. Tout le monde se moque de moi parce que je parlais à la caméra. Donc là, il y a tous les médias, tous les journalistes, les backdrops derrière pour mettre les coureurs. Le meilleur photographe. Là, c'est pour Adam Yates, Simon Yates, les deux frères jumeaux qui vont faire leur conférence ensemble. On se rappelle qu'ils avaient fait le doublé à Bilbao. Première étape du Tour de France, j'y étais avec mon frère jumeau aussi. Cosnefroy juste ici, et juste là, Michael Matthews. Il y a Capucine qui est prête, elle a son micro, elle a sa caméra, son appareil photo. C'est un âne, Capucine. C'est un mulet, vraiment. On la prend en randonnée. C'est laquelle? 912. Première connerie du jour, j'ai oublié mon micro, je remonte au 9ème rapidement. L'ascenseur il met 1000 ans. 914, micro. Il est là le micro. Putain c'est le bordel, ça change. Je prends les escaliers encore. Vous m'aurez plus vu courir dans les escaliers que parler à des coureurs en fait. Ça y est, on y est, c'est enfin la première conférence de presse avec les têtes d'affiche donc, de la course de Québec. Donc il y aura Michael Matthews, Julien Alaphilippe, les frères Yates, Benoît Cosnefroy qui a gagné l'année dernière. Là ça commence à s'installer, l'ambiance c'est assez spécial. Donc en fait tout le monde s'avance, c'est très détendu, tout le monde se parle. Et après les coureurs vont prendre place sur leur siège et on va aller pouvoir aller leur rencontrer, leur poser 2-3 questions. Mais si
Without Worlds, kind of leading things a little bit up. Surtout à la suite de cette victoire au Tour de France, est-ce que vous attendez à un accueil particulier ou redresser un peu la barre ici et en termes de résultats? Everything I can to come back on my level this year and that's what I did. Demain, si tu gagnes, tu vas la manger où ta poutine? Ah, je ne sais pas. Peut-être Bistro B, c'est un restaurant que j'ai mangé il y a 5 ans. Mais c'est un restaurant québécoise qui est vraiment connu. Je sais qu'ils font une poutine très, très incroyable. Si tu gagnes cette année, tu vas la manger où ta poutine? Ah, je ne sais pas. Là, j'ai... un peu bon dessous, mais c'est, si je gagne, c'est surtout mon collègue Mickey qui se fait tatouer chez le tatoueur juste en dessous, donc ça c'est, ah ouais ouais, ça, c'est le plus important. Il se fait tatouer quoi? Il n'a pas encore décidé, mais il s'est engagé à se tatouer si je fais le doublé, donc c'est ma motivation. Hi Mickey. Hey. Because yesterday, Benoit told me that if he win for the second time in Quebec, he will do a tattoo. Me? Yes. No, I don't know what you talk about. You tell me that? No, not true. What will you do? Huh? What will you do? I don't know what you talk about. You tell me that? Yes? First he has to win and then we think about it, okay? We will talk about that tomorrow, right? Tomorrow I will. Yeah. Okay, see you. See ya. On aura pas eu, on a essayé de gratter un, on aura pas eu la réponse. C'est ce qu'on vient chercher chez moi. Peut-être je vais aller pas tarder d'aller au Bah tu me tiens au courant si tu veux qu'on aille. Oh bon, on a bien rigolé la conférence de presse. Mais je l'avais depuis 4h30. Oh ma tête, depuis 4h30 ce matin avec le jet lag. Du coup je commence à taffer sur plan de com. Là il est 16h et c'est le moment de tout dérush, toutes les images de la journée. Et c'est pas le moment le plus fun, même si on peut se rendre compte qu'il y a des moments gaulerie, il faut sélectionner pour aller faire les réels et tout. Là, faut que je me poste à ce bureau là, que je me mette sur ordinateur pour faire tout ça. Allez, je suis pas une vie, je suis pas une galère. Je suis une vie, je suis pas une mort. Je peux vous reconnaître. Ma vie, ma seule monnaie. Ce but, ils sont pas honnêtes. J'espère qu'on voit le désespoir sur ma tête. Oh, ça y est, on taffe après, promis, d'abord on danse un peu. Je suis plein de vie, je suis plein de... Comment je suis heureux d'être là, au Canada, pour faire vibrer une course de vélo. Mais au moins, musique. On a pas une vie de rêve. C'est pas incroyable ce qui arrive. Prendre des vlogs vélo en Colombie. Elle est réussie, là. Des vlogs vélo. J'ai fait mon premier vlog que j'ai fait, moi, en 2018, j'étais dans ma chambre, je jouais à Zwift. Oh, c'est ciao.